attention. Je n'entends deux. Ça nous cherche. Deux mercenaires, pas d'uniforme. Neutralisé. On est tranquille. Compris. Installez-vous sur la crête. On va analyser le terrain. Echo 3-1 à Blue Viking 5. Demande de frappe. Attendez la confirmation de la cible. Compris, 3-1. Viking se tient prêt. On commence la reconnaissance. Faut être sûr que les Russes sont pas dans le coin. Véhicule en approche à la porte principale. Ça bouge dans la cour de triage. C'est comme ça que le gaz entre. Le véhicule se déplace. Cible dans la zone de chargement. En visuel. Compris. Point de contrôle, voilà l'entrée. Cible vérifiée. Aucune présence militaire russe. Confirme la frappe, 3-1. Le Viking 5, ici Echo 3-1. Troupe à découvert, porte sud, vous pouvez y aller. Compris, 3-1. Cible verrouillée. Feu à volonté dans 5 secondes. 5 secondes. Echo 3-1, cible touchée. Viking rentre à la base. Bonne chasse. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. Attention. Plusieurs ennemis à pied. Если что, увидите, стреляйте! On les enfume, allez! C'est bon, on avance. Clairement, quelqu'un a joué avec le feu. Ça leur apprendra à voler des armes chimiques. J'ai leur souffrance. Plus vraiment compter sur la surprise, les gars. Restez sur vos gardes. Soyez prudents, on ne sait pas ce qui nous attend. Contact ! À terre ! On a un mine mitrailleuse au premier ! Il est retranché ! Faites un tir de suppression et grimpez! Cherchons du cadre de la porte pour stabiliser ton arme et reste à couvert, Echo! Bonne suppression! Avancez. Fais le tour et abat-le! En avant! On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte! Infanterie ennemie à découvert! Avancez! Ouais, je vois ça.
occupe cette mitrailleuse et ne trahisse là. Avance sur sa lumière et braquez ailleurs. Mitrailleuse HS. Bien joué, Côte-Roi. C'est bon! Le gaz doit être là-dedans! Sauf si c'est trop tard. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Il y a peut-être des armes chimiques, mettez vos masques! C'est parti! Ils ont coupé le jus. Allumez vos torches. Avec moi. On voit rien du tout là-dedans. Vous avez entendu?
Je sais pas qui a coupé le courant, mais il est encore là. C'était peut-être la frappe aérienne. Non, il y a quelqu'un. Vous avez vu? Trouvez-le! Il est mort! Ça bouge sur la tête! Nettoyez! Permettre le courant, allumer la lumière et trouver le gaz. Contrit, 3-1. Je cherche. Ok, je cherche. Attention les yeux. On a le courant. Hé hey! On a un problème. C'est des gars de l'armée russe. Des Spetsnaz. 3-1, Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes. Il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Comme d'habitude. 3-1, terminé. Vérifie que c'est bien ce qu'on cherche, et on préparera les camions pour l'évacuation. Compris. Jackpot. Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. Unité, on est en route vers le rendez-vous. Restez vigilants. Beau travail, Alex. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Watcher à 3-1, vous me recevez? Alex, vous me recevez? Terminé. Je suis là. Mais c'est qui ça? Sidi, Ansara. Ma loro sì. Marines, Amitar. Nasimitarak. Farad. Echo 3-1, Watcher. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général, les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Vous êtes où? Occupé. J'ai un problème. Les Russes? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand? C'est déjà fait. Sergent Garrick, répondez.
égarés. Niveau de menace devient critique. Sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut être pire. Des snipers en position? Négatif, sergent. Il faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef. Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres. Compris? Ouais, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord? Ok. Sergent. Regardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre Raven, véhicule suspect vers le nord. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go! Ils sont là, les frères! Ils sont là. Là! On y va! Bouge pas! Police, plus urgent! Les mains en l'air, c'est maintenant! À plein ventre, tout de suite! Vous faites une erreur! N'oblige pas à le répéter! Sabre 2, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite! Merde, regarde un peu. On va terminer. En avant. On doit aller les aider. Deuxième au nord d'Oxford Circus. Trojan 9-9. Ici Sabre 2. Librairie sécurisée. Charing Cross Road. Une autre près de la BBC au nord d'Oxford. À toutes les unités! Décidez de descendre plus près de la fontaine! Faut qu'on les protège! Où est-ce qu'ils tirent? On a 4 civils pris au piège près du bus rouge! Je suis pas armé! J'ai besoin d'aide! Tout de suite! Sergent, les civils sont du bus rouge dans notre aide. Pour Alpha Whiskey 2, bien sûr, terminé. Hey, je t'en défoncé. Raven, ici, Sabre 2. Putain, mais où est la paix? Le site, l'équipe d'assaut a été déployée. Elle arrive aussi vite que possible. En route. Tu vas en bas, sergent.
SS-09. Tu as pris avec le meurtre tranquille. Tu cherches plus rien de merde. Mais Central, je me tiens à la place. Central, au moins 3 suspects. Il faut que tu puisses aller. Savoir qu'on donne comme ça. On a plusieurs victimes dans Chasse-Furée. Chasse-Furée a vu. 1609, à vous. Ils sont retranchés dans l'immeuble du tantôt. Sergent, j'ai besoin de vous tout de suite. À l'ouest de la place, on a besoin de les unités répondant à l'explosion de Leicester Square. À toutes les unités répondant à l'explosion de Leicester Square. Alpha Whiskey 2 nous prévient qu'il peut y avoir d'autres attaques. Des ambulances sont en route vers les points de rendez-vous de Charing Cross Road. Point de rendez-vous à Charing Cross Road. Bien sûr, sergent. Les suspects se replient dans l'immeuble du Santo au nord-ouest. Nous décidons de couper immédiatement l'immeuble du Santo. On se tire dessus. Lâchez-le partout à la fois. Que tous les UR rejoignent Piccadilly Circus. Agent à terre. Je répète. Raven, sabre 2. Agent à terre devant l'immeuble du Tonto. Agent à terre. Nom de Dieu. Quelle est la situation pour les otages? Alors que j'entre dans le bâtiment, tenez-vous prêts. Des coups de feu à Piccadilly Circus. Plusieurs victimes. Envoyez-nous de l'aide plus tard. Plusieurs tireurs! Sud! Sud-ouest! Énorme! Merde! Ils sont partout! SO4! Je vous couvre. Vous êtes armé? Oui, chef. Capitaine Price. Sergent Garrick. Suivez-moi. Sécurisez les angles. Au secours! Des otages, en haut. En haut! Aidez-nous! Au secours! Sergent, allez. On a besoin d'aide, là-haut! Enlevez-moi ça, pitié, enlevez-moi ça! J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi! Je suis pas avec eux! À toutes les stations, on a un homme avec une bombe. Tiens, je vais pas vous rentrer. Je rentre chez vous. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps. Aidez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Non! Non! À toutes les stations. C'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien de cassé? Ça va. Allez. Vous avez sauvé des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi.
Katala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Uruzgan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim ? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price ? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Katala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Katala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Katala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi ? Qu'ils attaquent l'Europe ? Ou l'Amérique ? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, faut y aller. C'est qui, lui ? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA ? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors ? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex ? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Uruzgan, Alex. Suis-moi. Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment ? Des explosifs. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Tiens-toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez, Alex, prends ces charges. C4 et détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Toi aussi. Bonjour. Allez, viens. Vite. Américain ? Tu peux te fier à lui. Tiens, Alex. Enfile ça. De quoi j'ai l'air ? Ça ira. Tariq, comment ça se passe ? Les Russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les Russes voir la tienne. Suis-moi. Je suis le général Roman Barkov, notre supérieur et commandant de ces territoires. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils seront encore plus stricts aujourd'hui, à cause de la... Là aussi ? Peu de chance. Il se cache pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot ? Des sanctions. Les hommes au travail ! Les femmes dans les véhicules ! C'est ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la masse. Passe par la porte principale. On se retrouve de l'autre côté. La porte est là ! Ne recommence pas ! Quel genre de sale boulot ? Des sanctions. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules.
Fais ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la masse. Passe par la porte principale. On se retrouve de l'autre côté. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains, en urgistant, refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. Je suis passé. Prends la ruelle, à gauche. Tu vois ce soldat ? Ouais. Approche-toi de lui, doucement. Attire son attention. En où stoi ? Sardonné ! Tue-le. Sardonné ! Toi et les autres, vous avez tué mon ami. Karim ? Fais attention à toi, ma sœur. Plein de ressources. Bien. Il faut que tu caches ton arme. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Pas de chance. Continue à chercher. Sans raison réelle, au nom d'une soi-disant liberté. Ces terroristes venus de l'intérieur sont le cancer de ce noble pays. Il ne pourra y avoir ni ordre ni paix. Ça fera l'affaire. Bien. Retourne par la droite. Contourne le véhicule par la droite. Барков просил взять кого-то живым. На фига? Рабочая сила. Баф присутствует. Какого черта? C'est bon. Reste à couvert. Entre. Attends. T'approche pas de la porte. Осторожно. Могут быть растяжки. Tu les as en joue ? Ouais. Prends-en deux. Je m'occupe de l'autre. Va voir dans la pièce du fond. La voie est libre. Par ici. Désolé pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas vain. Planque ton arme. On ressort. Suis-moi, je passe devant. Quand on défie le général Barkov, on en paie le prix. Qu'est-ce qui se passe? Pitié, elle est terrifiée, c'est laissez tout. Laissez vos armes. Je sais ce qu'elle est. Tu comprends pourquoi on doit en arriver là? Ils sont pendus parce qu'ils sont désobéis. Regarde-les bien. Allons-y. Vous voyez, quand on coopère, on peut tous vivre en paix. Ces terroristes sont à l'origine de tous nos problèmes. Unissons nos causes. Exposez-les. Et vous serez récompensés. Par ici. C'est un putain de crime de guerre. Ils les punissent pour le vol du gaz. Barkov veut en faire un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Accomplir notre mission. Et mettre un terme à la cruauté de Barkov pour de bon. Par ici, monte à l'échelle.
Tarkov déploie des hélicoptères. Si on les abat, la base devra envoyer des renforts. Et on en profitera pour attaquer. C'est ça. Pose les explosifs sur les hélicos. Je te cours. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abat-les. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Des gardes à l'entrée. Si tu les attaques, te fais pas remarquer. Je suis un homme juste et pris de justice. Nul besoin de juge ou de jury ici pour reconnaître un crime et son châtiment. Sous mon commandement, nous éliminerons un par un tous ces agitateurs. Et nous ferons de ces rues un lieu de travail sain et sécurisé. Cette révolte impose la guerre aux citoyens de l'Urzikstan épris de paix. Ces combattants de la liberté et tous leurs complices menacent la sûreté et la sécurité de ceux qui suivent les règles. Aujourd'hui, ils doivent être punis. Ceux qui osent croire que mes hommes céderont devant ces actes terroristes et ces projets secrets et ces tentatives de sabotage se trompent lourdement. Je me laisserai jamais expulser de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. Et nous trouverons ces interventionnistes et garderons ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis, mais la mort. La Russie est là pour défendre vos vies, votre liberté et votre indépendance. J'ai pas encore trouvé comment monter. Les réserves de main-d'œuvre sont inépuisables. Des gardes à l'entrée. Dehors, moi. Je ne céderai jamais face à des insurgés. L'Urzikstan va très mal. Ces réserves de main-d'œuvre se tarissent. Tous ces criminels terroristes. Je suis à côté de la cible. Tu sais quoi faire. Nous envoyons un message à ceux qui refusent de suivre les ordres. Tous ces ennemis sont vos amis, votre famille. Ces conspirateurs. Allez, place tes explosifs. Se rendent coupables. Charge en place. Ça va faire une sacrée diversion. C'est l'idée. Maintenant, passe à l'autre hélicoptère. Des États-Unis et de leurs alliés du Royaume-Uni. Toute personne prise à collaborer avec ces groupes sera condamnée à mort. Aujourd'hui, le peuple de l'Urzikstan est en sécurité sous mon commandement. Ce pays pourrait profiter de ses richesses. Mais il doit gagner ce privilège par la loyauté et l'obéissance. Ensemble, construisons une industrie. Exploitons ces matières premières. Prends les escaliers. Stop. Il y a un garde en haut des escaliers, à gauche. Surveillez bien la foule. Autorisation d'ouvrir le feu en cas de menace. Je te couvre. T'as vraiment des réflexes de chat? Personnellement, je préfère les chiens. La Russie est votre allié. Soyons partenaires, ici. Ensemble, nous pouvons montrer un front... Alex, charge en place. Le C4. On se regroupe sur la position. Et chassez ceux qui n'ont pas leur place ici. Camarades et fidèles citoyens de l'Urzikstan, je suis le général Roman Barkov,
notre supérieur et commandant de ces territoires. Ils sont partis. Malgré c'est ma générosité et ma bienveillance, certains en Urzikstan fallu exploser. De comprendre que nous sommes ici pour les protéger. Attention. Bien joué, Alex. C'était beau. Par ici maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Ok, ils ont laissé leur véhicule sans surveillance. On va les faire sauter. Vite, sous le pick-up. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Un cadeau d'adieu. Qui les attendra à leur retour. Quelle générosité. J'aurais bien aimé assister au spectacle, mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. Merde! Vite! Regardez où vous tirez! Ah, on est cerné! Je vais les faire sauter! Farah, c'est quoi ce merdier? À terre. Cache ton arme. Ils sont trop nombreux. Ne bouge pas. Reste immobile. В этот раз старик дойдет. Должно быть Карим. C'est bon. Tue les deux sur la gauche. Beau travail. Au tunnel, vite. Il risque d'en arriver d'autres. Regarde, des renforts de la base aérienne. Notre plan fonctionne. Stop. Merde, la porte de Tariq est ouverte. Où est Tariq? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne Edir. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. Edir a un plan.